بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكل متابعي ومتابعه قناه الاستاذ خالد النجار اليوتيوب كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير دائما مع لي كور ديال الموديل ديال كريستالوغرافي كريستالو شيمي اليوم غنقدم لكم ليكزيرسيس 5 كونسيرنون لا ستغكتور ديال تريوكسيد دو تانغستين دو في او 3 وقبل ما نمروا لو ديتاي ديال ليكزيرسيس ما تنساوش تابونا في القناه ديالنا ناجي خالد سونس وتابعنا على صفحه الفيسبوك بروف ناجي خالد على بركه الله سولون ليكزيرسيس 5 لو تريوكسيد دو تانغستين دو في او 3 سوليد Et en première approche, c'est un solide ionique. Il présente une structure cubique, telle que les ions de tungstène W6 occupent les sommets de la maille. Et les ions oxyde O 2 O 2 mois, le milieu des arêtes. Donc on note, on note A le paramètre de la maille. A, ou A, le paramètre de la maille. La première question dessiner une maille et vérifier la stoichiométrie du cristal. Donc on commence par la première question, la maille, la maille du cristal. Prenons une structure cubique tout d'abord. On a bien le cristal, la structure cubique et les deux motifs, les deux motifs suivants. Les rouge représentent W6+. plus le en bleu représente au deux mois selon l'exercice ça occupe le les sommets du cube le sommet de la maille dl cube et au deux mois occupe le milieu le milieu des arêtes donc la structure donc on a on a donc le sommet Et maintenant oui sommet au municipal au deux mois le occupe le milieu des arrêts ok on a l'échec le Maintenant, on va vérifier la stoichiométrie du cristal. On commence par W6, donc pour, pour l'ion W6, on a dit que lion occupe le sommet du cube, donc on dit 8 fois 1 sur 8. Donc, bien chaque motif soit le sommet, il sera divisé par 1 sur 8, et il y a autre maille. Donc, est égal à. Et pour o de moi l'ion dial O2-moi, pour O2-moi, donc un DNA pour o de moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, chaque ion, chaque motif, chaque euh, milieu euh, d'une arête sera divisé en 4. Donc, fois 1 sur 1 sur 4 est égal à 3. Donc la structure, tu a le donc on, W6 plus 3 o 2 mois, Là, tu W3. Il y en a 3 ions d'iel au 2 mois pour un seul ion d'iel 6 Donc on a bien défini, on l'a euh, vérifié la structure d'iel le cristal qui m'attend à l'exercice de VO3. La question numéro 2, on a mis une tangence anion-cation. Calculez la compacité du cristal de VO3. Deuxièmement, la compacité la du cristal. Donc, prenons la maille de la cristal. De Selon l'exercice, on a la tangence anion cation donc tangent sera de selon selon une arête adia a paramètre de la maille ou la ya adia c'est la même chose donc je prends bien sûr adora et tangent un arc de par exemple tout l'autre voilà de cette façon donc, il y a le milieu, le centre de le motif, le centre de le motif, il y a est égal, R, il y a v, 6, ça représente O deux mois. Donc, c'est R, il plus 2R, il y a O de moins, il y a 6 plus, demain, le rayon R, lion dial donc c'est deux fois le rayon dial O 2 plus deux fois le rayon dial W c plus donc la compacité fait le cas compacité notée c les quatre savez le volume occupé par les motifs sur le volume du cube. le volume total. Donc le volume occupé, c'est le nombre de motifs Z fois le volume des sphères. Il y deux sphères différentes sur le volume total et on A à la puissance 3. Donc Z, on a dit que Z est égal à 1. Il y a un nombre de motifs est égal à 1. Donc Z est égal à 1 fois 4 sur 3 pi R diéle w 6 plus 1 à la puissance 3 plus, et on est bien sûr un facteur, donc 4 sur 3 fois pi fois R à la puissance 3 diéle O de moins, pardon, on a bien un L'ion dial W6 Contre 3 ions dial 3, 3 dial O2 moins donc là, je dois multiplier par 3 donc j'ajoute 3 ici 3 fois sur A à la puissance 3 donc c'est un de l'application numérique Donc je factorise le calcul je factorise par 4 sur 3 donc, on a R, DLW, W, 6 plus à la puissance 3, plus 3 fois R, dlo O de moins à la puissance 3, sur A à la puissance 3. On a déjà trouvé A en fonction de R, c'est 2 facteurs. DLR, R, W, 6 plus, plus R, dlo O de moins. Le tout à la puissance 3. On a l'application numérique. application numérique. le rayon de W6 plus, il est dans l'exercice. Le rayon de O2 moins, il est dans l'exercice. Donc, on a le tableau dans l'exercice. Donc, on dit o -O2 il y a O2 moins, il 132 pico mètres. On a 62. Donc, 132 R 2 O de moins, il y a 132 picomètres. R del W, 6 plus, il y a 62 picomètres. Donc, la compacité C est égale 4 pi sur 3 fois R W, 6 plus, il y a 62 à la puissance 3, plus 3 Fois 132 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 3, c'est 8 fois 62 plus 132 du tout à la puissance 3. Donc par calcul, on trouve C est égal à peu près 0,51. Donc là, il y a la capacité C. Maintenant, on suppose que le centre du cube et le centre des faces de la maille dessinée précédemment sont vides. Calculez le rayon maximal d'un hétéro-élément qui pourrait s'insérer dans ces sites sans déformation de la structure. Troisièmement, le rayon maximal d'un hétéro-élément. Hétéro -élément éléments qu'on peut insérer qu'on peut insérer dans des sites ces sites il y en a les sites dans les exercices sans déformer sans déformer la structure D'après l'exercice, le rayon d'il O2- est égal à 132 picomètres et le rayon dlw W6- est égal à 62 picomètres. Donc, le rayon d'il O2- est supérieur au rayon d'il w plus. Donc, la maille radconale à chaque en réalité, Okay. Donc, il y a la condition d'insérer un hétéro élément, un ardo, par exemple, ou un verre, au centre de la face, donc, Donc, le motif représente hétéro élément de rayon R. Donc, la, la condition d'insérer un hétéro élément, en fait, je fais le centre dire la face et la suivante à de la distance représente le paramètre de la maille a donc la condition c'est que r ou la deux fois r de au moins elle représente O deux moins au deux fois le rayon dire au deux moins plus deux fois le rayon de l'hétéro-élément doit être inférieur ou égal à A. Les o paramètres, dit la maille. Donc, la condition, donc 2R, doit être inférieur à A, moins 2R, dit O, 2 moins, c'est-à-dire, je divise par 2, le rayon, de l'hétéro-élément, doit être inférieur à A, sur 2, moins R, dit O, 2 moins. C'est la première condition. On fait l'application numérique, donc application numérique. Je calcule tout d'abord a. A c'est bien dire égal l'arc de la à qu'est-ce qu'on selon selon de l'arrêt Donc a, donc égal szybox… deux fois, fois le rayon, rayon, le rayon de plus plus deux fois le, fois le rayon de O Donc c'est deux facteurs de le rayon de C plus plus le rayon de l'eau de mois les YA2 fois le rayon d'ici et W C plus il ya 62 picomètres plus 132 132 picomètres donc les a388 picomètres qu'on à de la maille maintenant r la condition d'elle le rayon d'elle hétéro élément. Donc R doit être inférieur, inférieur à A à 388 sur 2 moins le rayon d'EL O2 moins les rois 132. Donc R doit être inférieur ou égal à 62 picomètres. Maintenant la condition pour insérer. La condition pour insérer un hétéro -élément, élément au centre du cube. Au centre du cube. Prenons la maille initiale. L'ANA. C'est bien. le motif de ton envers. Le motif indique le motif d hétéro élément qu'on veut insérer dans le centre du cube, donc on va essayer d'insérer dans le centre du cube cette forme. Donc la condition que qu'on a maintenant, c'est la distance d, on va la distance d, le rayon du au du moins, plus le rayon du au du moins, bien sûr, on va essayer d'enregistrer cette forme de la même manière. Donc on a les motifs tangents. donc diagonale diagonale diagonal carré donc d qui est égal 2 r avec un de le rayon r diel hétéro élément rayon r plus deux fois le rayon diel O deux mois. donc d donc on a un triangle, un triangle rectangle fait le point Rectangle le point, par exemple A, B, on a C. Donc D, selon Pythagore, selon Pythagore, on a D au carré, et on diagonale. et a, a paramètre de la maille, on a A, B, a, a, Donc c'est A au carré plus A au carré. Donc D est égal directement racine de 2A, D, A, D. Donc la condition d'insérer la condition d'insérer un, un élément au centre du cube ça de la distance ça de le, le rayon deux fois le rayon de l'hétéro-élément plus deux fois le rayon de au de moins, ce qu'on inférieur ou égal la distance D. Il y a racine de 2A. Il y a le rayon de haut de moins, mais le rayon de a des éléments, plus il y a deux fois, plus le rayon diel au de moins, ce qu'on inférieur de la distance D. Nous allons insérer l'élément au centre de l'élu. Donc il y a la condition. Donc, 2R doit être inférieur à la racine, racine de 2A moins 2R de O de moins. Donc R, je divise par 2. Donc R doit être inférieur à la racine de 2 sur 2A moins le rayon de O de moins. On dirait l'application numérique. Donc application numérique. On a ce R inférieur à la racine de 2 sur 2 fois. Ah, la déjà c'est 383, moins le rayon de au de moins les trente 132. Donc à peu près R doit être inférieur ou égal. J'ai trouvé 142,3 picomètres. Maintenant la question numéro 4. On observe expérimentalement que les cations M plus ou M peut être H ou la L I N A ou K peuvent s'insérer dans le cristal et occupent tous le même type de site. On peut déduire de quel site il s'agit. Donc on a les données, on a l'espèce, on a le rayon ionique en picomètre. La question 4 maintenant. La question 4. Les cations, on chauffe les cations pourraient. L'écation pourrait s'insérer dans les sites. Donc, prenons la figure. Je fais deux cas. de est le site. Minisma est le site qui occupe le centre, le centre d'une face, face. La condition qu'on a R, le rayon de l'élément hétéro-élément élément R doit être inférieur ou égal à le calcul que j'ai déjà fait. Le rayon... Doit être inférieur à 62 picomètres. Donc, ce qu'on le rayon dit à l'élément qu'on veut insérer, à 62 picomètres. L'autre site, il un, au centre au centre le cube, il est en vert. Donc, centre, centre de, du cube. Je bien le rayon dit à l'élément qu'on veut insérer, ce qu'on est inférieur ou égal à 100 42,3 picomètres. Maintenant, je prends le tableau et je compare. On a le tableau et je compare. Donc un on a les éléments qu'on peut insérer le centre d'une face. Donc ce qu'on est inférieur à 62 picomètres. Inférieur à 62 picomètres. Donc on peut insérer seulement H plus les voies inférieures. Euh, donc le rayon H plus inférieur inférieur strictement 62 micromètres donc h plus on peut peut-être insérer peut-être insérer dans ce site dans ce site les voir le centre le centre des faces pour le milieu le centre de le cube pour le centre dialecube parce qu'on est inférieur à 142. Donc, on peut insérer par une autre couleur. On peut insérer H. On peut insérer L. L. I. H, l. I. On peut insérer plus A. inférieur toujours. On peut insérer K. Donc, tous les éléments. Tous les éléments. Lesquels font le tableau. Peuvent. Peuvent être. Insérés